Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit sujet simple, c'est-à-dire apprendre à compter. Voilà, tout simple. Alors, apprendre à compter pour notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, serait une bonne chose parce qu'il a annoncé avec perte et fracas, c'est l'exemple du moment, sa bonne année à tous, en déclarant sobrement que ce réveillon a été moins dangereux que les autres, avec seulement 745 véhicules brûlés, même selon lui, qu'il y aurait eu 10% de moins que l'année dernière. Bon, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les chiffres de l'année dernière. Et là, oh, 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 on trouve 690. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? On fait une petite règle de 3 parce qu'on se dit que si on a eu 745 pour ce réveillon et que le réveillon d'avant c'était 690, on peut penser simplement que 745 est supérieur à 690, mais pas pour Darmanin. Donc, on fait la règle de 3 et ce fameux chiffre qui était soi-disant meilleur de 10%, et il est en fait moins bon de 8%. Donc ça fait un écart assez hein, correct quand même. Et je dirais qu'on n'a pas encore pu comprendre comment un ministre en poste peut faire des déclarations pareilles sans qu'aucun journaliste ne puisse dire qu'il s'est trompé. Imaginez si c'était X, Y, Z de droite, hein. Là, on aurait un tollé. On nous dirait, il ne sait pas compter, il ment toujours, c'est sa façon de procéder, tatati, tatata. Là, pouf, rien. Bon, c'est pas grave. Alors, on a ça. Et nos compatriotes, quand même, feraient bien d'écouter, parce que en écoutant, ils feraient comme moi, ils iraient chercher la vérité. Et la vérité, elle est là. Il a menti. Darmanin a menti. Ce n'est pas la première. Rappelez-vous le Stade de France où c'était les Anglais qui étaient fautifs, des Anglais qui parlaient une autre langue que l'anglais. Alors, et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et personne ne dit jamais rien. C'est extraordinaire. Et si on fait une vidéo comme celle-ci pour le dire, on n'est pas très écouté parce que la vérité, finalement, ça dérange. Voilà. C'est ce que je crois comprendre maintenant dans ce pays. La vérité dérange. On préfère écouter les menteurs. Et relayer les menteurs, où X millions de relais sont faits, que la vérité. La vérité, c'est pas bien, la vérité, ça dérange, surtout la gauche. Alors, on a un autre exemple qui est très amusant, c'est que on a le Parti socialiste, qui était outré par ce qui s'était passé le 7 octobre. Ils étaient outrés du 7 au 8 octobre. Après, ça a été fini. Ils sont revenus à leur propagande habituelle. Et le Parti socialiste, je ferai remarquer humblement, est toujours l'allié du NUPES, qu'il était devenu soi-disant infréquentable. Ils sont tellement infréquentables qu'ils se fréquentent toujours. Donc voilà où on en est dans ce pays. Alors après, on a évidemment le maître du mensonge, hein. Il y en a un, c'est le président quand même, lui il est plus fort que les autres. Parce que lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, et il l'a dit là dans ses voeux, qu'il fallait que la France rayonne. C'est le même président qui, quelques temps auparavant, avait dit que la France n'avait pas de culture. Faudrait savoir, monsieur le président, c'est oui ou c'est non, on ne peut pas faire les deux en même temps, hein. Ça c'est compliqué. Alors, et je dirais, monsieur le président, qu'à sacrifier notre identité nationale, nous avons juste ouvert la porte de notre cimetière. Parce que, au train où vont les choses, hein, entre l'extrême gauche, la gauche, le wokisme, certaines personnalités douteuses d'extrême droite, tout ce qui se passe partout, hein, et qu'on refuse toute réalité, qu'on dénie toute vérité, on a très peu de chances que la France se redresse. Alors, je ne vous parle même pas de l'économie, où là, vous avez été surnommé Mozart, et en fait, vous êtes plutôt fossoyeur, excusez le terme, et le délabrement intellectuel et moral a fait un impressionnant dégât sur notre société. On est vraiment dans un système complètement éclaté, où il y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. C'est la nouvelle année 2024.
vos voeux ont été, comme je l'ai écrit dans un article, vraiment à la limite du surnaturel. On était dans le surnaturel, vous étiez ailleurs, je suppose. Je ne sais pas qui écrit vos discours, mais il faudra en changer, hein, parce que franchement, il vous dessert. Hein. Parce que dire autant de conneries en aussi peu de temps, il est fort, votre gars qui écrit les discours, monsieur le président. Alors, évidemment, la gauche, elle sait faire, parce qu'elle récupère tout. Hein. Et ce qui est assez bizarre dans ce système, c'est que la droite, ou prétendue telle, est complètement absente de tout débat d'opposition. Hein. Et elle a accepté, en 2023, deux choses sans broncher, c'est-à-dire les retraites, et ensuite le faux projet sur l'immigration, parce que pendant qu'on vous parle de quelque chose, il faut voir ce qui se passe dans le pays. C'est pas la même chose. Donc, faut arrêter ça. Nous, ce qu'on veut, nous, Français, ce qu'on veut, c'est que tout cela change. On s'en fout par qui, par quoi, comment. On veut que cela change. On veut vivre normalement dans une France normale où on sera en sécurité comme avant, hein, parce qu'avant, ça n'existait pas de se faire attaquer à tous les coins de rue. Et si on dit « qui nous attaque ?», on n'est pas des racistes, on est des réalistes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut arrêter tout ça. Bon, sur ce, je vous laisse, parce que, comme je le dis toujours, on est mal, on est très mal. 2024, on ne sera pas mieux, rassurez-vous, c'est la bonne année. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Merci, à bientôt. Alors, toujours pareil, ceux qui partagent, merci. Ceux qui s'abonnent, merci. Et puis, faites-nous connaître, parce que nous, les petits, on n'a sinon aucune chance. On nous censure, on nous interdit de pub, faut le savoir. On nous interdit de ceci ou de cela. On dit que c'est mal fait, que ceci, truc, machin, enfin j'en passe. Je ne vais pas pleurer ici quand même, hein, en début d'année. Mais croyez-le ou non, si vous ne bougez pas, eh ben, ça sera foutu.